Ce 8 juillet 2023 est une date particulièrement symbolique pour Luana et Paul Belmondo qui fêtent leurs 33 ans de mariage. Si la mère de famille n'aurait raté cet événement pour rien au monde, son mari a oublié de le noter dans l'agenda. Piquée au vif, l'ancienne animatrice lui a réservé une petite surprise sur les réseaux avant d'afficher cet étourdi. Une séquence hilarante immortalisée sur Instagram. Depuis plus de 30 ans, Luana et Paul Belmondo filent le parfait amour. Autant dire une éternité pour le milieu du show business où les relations pérennes et durables se font de plus en plus rares. Parmi les couples indestructibles qui cultivent le secret de longévité, les parents de D'Alessandro, Victor et Giacomo paradent sur les premières marches de ce podium très sélect. Ensemble, ils ont bravé les épreuves de la vie, et notamment la disparition de Jean-Paul Belmondo survenue le 6 septembre 2021. Une tragédie qu'ils ont surmontée grâce à l'arrivée d'un heureux événement, la naissance de leur premier petit-fils qu'ils chérissent plus tout au monde. La maman est devenue Nona. Un nouveau rôle que Luana Belmondo prend très à cœur. Le 10 avril 2022, son fils aîné Alessandro et sa compagne Mélinée Ristiguian leur a donné son premier petit-fils. Une naissance particulièrement attendue et surtout inopinée puisque le bout de chou a décidé de pointer le bout de son nez le jour de l'anniversaire de Bébel. Un événement symbolique que la jeune maman avait tenu à célébrer sur les réseaux sociaux, bon et bien finalement il aura attendu le jour de l'anniversaire de son arrière-grand-père pour se manifester, douloureusement. Pour l'instant, il est encore au chaud. Mais plus pour très longtemps. Surtout vive la péridurale, s'exclamait-elle. Et l'animatrice culinaire de surenchérir à son tour pour faire part de cette bonne nouvelle. Vaïtu ouvre la cinquième génération de la famille Belmondo. Émotionnée immensa a-t-elle commenté, visiblement bouleversée. Luana Belmondo fête ses noces de porphyre 33 ans de mariage, ça se fête. À l'exception de Paul Belmondo qui n'a visiblement pas la mémoire des dates. Marque de fabrique de la gent masculine, ce dernier confirme la règle. Une étourderie que Luana Belmondo n'a pas laissé passer. Ce 8 juillet 2023, l'animatrice culinaire comptait bien marquer le coup pour son anniversaire de mariage. C'était sans compter sur la nonchalance de son cher et tendre, qui est complètement passé à côté. Dans une story Instagram, son épouse a mis sa communauté dans la confidence. Aujourd'hui avec Paul, on fête nos 33 ans de mariage. Paul oublie tout le temps a-t-elle expliqué avant d'admettre qu'elle aussi a tendance à louper le coche. J'ai décidé de prendre de l'avance a-t-elle poursuivi avant de faire une petite surprise à l'heureux élu. Sur cette vidéo, on peut voir la mère de famille apporter une viennoiserie surplombée d'une bougie à son mari. Une délicate attention qui a questionné son compagnon, totalement à l'ouest. Affalé dans le canapé et les yeux rivés sur son smartphone, le fils de Bébel a eu un temps de réflexion. « Ah, on est le 7 juillet ? Ah ben tu as raté alors lâche-t-il sans se démonter. » Vous voyez la mauvaise foi, elle est bien là s'est amusée Luana Belmondo qui n'a pas hésité à afficher son étourdi de mari sur les réseaux. Espérons qu'il se rattrape l'année prochaine.